Les mariages avec les grosses voitures vont me tuer le temps-ci. C'est grave. Les mariages avec les grosses voitures, Oh, oh, Vision Pro, le number one. Les mariages avec les grosses voitures vont me tuer. Voilà l'équipe Vision Pro en personne alors. Voilà. Confirmé, c'est le travail, voilà. Voilà l'équipe est sur le terrain. Hein. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. L'équipe est déployée, voilà. Vision Pro, true number one. Ah oui, hein. Premier caméraman. Regarde ici avec ta caméra, toi tu fais quoi? Ah, deuxième photographe. Caméra-woman. Tu connais même allumé. Voilà le photographe, non? Voilà le photographe. Oui, vous voilà, okay, vous filmez, parlez alors. Vous voulez dire quoi? Ça, c'est pour Facebook, hein, quand vous parlez là. Voilà, mes projecteurs, juste une précision. Je me suis retrouvé hier dans un mariage avec une femme qui m'a dit qu'un gars avait utilisé l'image de Franco pour l'arnaquer 450 000 francs. Comment ils appellent même cette image qui parle là, où c'est l'IA ou c'est quoi, je ne sais pas comment ils font pour que l'image parle. L'image parle, elle m'a présenté certaines ou c'était deux ou trois vidéos comme ça, je suis là comme un robot, je parle, je fais seulement comme ça. Donc désormais, quand vous voulez contacter le studio Vision Pro ou alors Franco Le Mignon pour la couverture de vos événements, faites l'appel vidéo. Voilà les numéros qui sont en bas. Les gars utilisent, je ne sais pas comment ils font même. On dit que le gars là travaille ou je ne sais pas trop comment il a fait pour que quelqu'un contacte mon numéro, c'est lui qui reçoit. Moi, je ne sais pas comment ça se passe. Et ce n'est pas la première fois que j'entends ça. On m'a appelé peut-être trois fois pour me dire ça depuis Mbeng. Mais moi, il me disait que c'était juste une manière de m'embrouiller. C'est qu'il me suis retrouvé face à cette femme qui m'a montré les vidéos où moi-même je suis en train de parler. Par exemple, donc la tête bouge seulement. Parler avec quelqu'un qui fait les mouvements comme je fais là, qui se déplace même. Les gars sont déjà devenus très dangereux dans ce pays, mon frère. Donc les gars utilisent. Le pire même, c'est que la femme laquelle a envoyé l'argent, pap, le numéro n'a plus. Donc le gars a bloqué la dame. Directement, il a bloqué. Jusqu'à. Quand la femme retrouve à la fête, comme c'est que Franco, ouais, mon frère, voilà ce que j'ai eu. J'ai constaté seulement après, quand j'ai contacté ma soeur, quand ma soeur t'a contacté pour ton événement, il m'a dit que Franco même sera là, que je vais voir Franco et lui montrer tout ça. Et voilà comment on m'avait arnaqué 450 000. Il y a aussi une autre dame là qui m'a dit qu'on a failli l'escroquer comme ça là, par rapport à l'enterrement de son fils. Elle a perdu son fils ici au Cameroun. Elle a contacté un autre numéro. Le gars s'est présenté comme Franco. Heureusement qu'elle n'a pas envoyé l'argent. Donc faites très attention. Les gars sont devenus très dangereux. Je dis encore merci à tous ceux qui font confiance au studio Vision Pro. Merci infiniment à tous les Benguis qui m'encouragent. Fils de pauvres. Sachez qu'il y a une façon. Les jeunes qui ne veulent pas travailler là. Il y a une façon. J'ai constaté que la majorité des personnes qui me donnent leur marché maintenant, ce n'est pas forcément, ce n'est même pas parce qu'ils voulaient trouver leur marché. C'est une manière de m'encourager. Il y a un Benguis qui m'a dit l'autre jour que Franco, j'ai filmé son mariage, il m'a dit Franco, tu sais quoi, tu es caméraman dans mon mariage. Il dit non. Et que je ne pouvais pas prendre un 500, 600 000 t'envoyer. Tu vas dire que c'est le wish. J'ai dit que non. Comment je peux aider le petit frère si j'étais contacté, Franco. Tu as dit que paye-moi pas cher, machin. J'ai dit que j'augmente même encore 150 000 sur ça. Et il a fait. Il m'a donné. C'est une manière juste de m'encourager que je connais tes débuts, je connais d'où tu viens et je vois comment tu avances, mon petit. Beaucoup de courage. J'ai dit encore merci beaucoup. Je ne vais pas afficher les grands frères. Je ne veux pas l'afficher, il n'y a pas d'autorisation. Et pour ceux qui demandent d'afficher les images, on veut voir comment je travaille et tout. Non, c'est strictement interdit. Voilà, une fois j'ai un peu posté quelques événements comme ça sur ma page, on m'a appelé de supprimer directement. Donc je ne peux plus courir le risque là. Je ne veux pas afficher l'image de quelqu'un qui ne m'a pas donné l'autorisation. On est clair, non? Faites confiance au studio Vision Pro. Voilà quelques images de l'événement d'hier. Voilà. La soirée et la dot. Mais il ne présente pas l'image des gens. Voilà. Après, c'est le spot du Vision Pro pour ceux qui ont besoin de nos services. Ciao, ciao!
Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ngousso, avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportages vidéo et photos des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles, et bien d'autres événements, peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Vision Pro, tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos, l'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonce, embellissement de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose de techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Yaoundé, au quartier Ngousso, en face de la station Total. En allant vers la chapelle, numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28. Le studio Vision Pro, les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel.